Bonjour, je suis Marine Alvarel et je propose aujourd'hui ma candidature au conseil d'administration de la FING au sein du collège adhérent individuel. Alors, à titre professionnel, je travaille dans une SCOP grenobloise qui s'appelle la Turbine COP, qui travaille à l'élaboration et au développement du numérique au service de projets d'intérêt général. À titre personnel, puisque c'est à ce titre que je candidate, j'ai été pendant plusieurs années, il y a quelques années de cela, salariée de la FING, pour laquelle je conserve aujourd'hui un attachement tout particulier. Et donc, je continue bien sûr, à la fois professionnellement, mais également en tant que particulière, à suivre les travaux de la FING de très près. Alors, pourquoi cette candidature? Alors, d'une part, parce que la FING est depuis des années un acteur incontournable du numérique, qui explore des sujets variés avec un ensemble d'acteurs divers, et avec toujours un temps d'avance. Alors, sans refaire l'histoire de la FING, mais l'ouverture des données, le mouvement des Fab Labs, la réappropriation citoyenne des données personnelles ou encore le rapprochement entre les thématiques numériques et environnementales doivent beaucoup à la FING ces dernières années. Et la pensée critique du numérique, notamment développée dans Internet Actu, me semble aujourd'hui absolument essentielle pour comprendre les enjeux du numérique et de notre société aujourd'hui. C'est aussi parce que il me semble que la FING peut être un acteur important dans un monde en transformation, au-delà même du numérique. Et la démarche initiée avec le projet RESET la participation de la FING au sein de projets collectifs et de coalitions me semble aujourd'hui très intéressante. Enfin, si je candidate aujourd'hui au sein de la FING pour un nouveau mandat, puisque ce serait mon second mandat, c'est que je souhaite contribuer à ce projet, donc à titre personnel bien sûr, mais aussi en amenant un regard de terrain, en contribuant quelque part à l'articulation entre des activités prospectives de plus ou moins long terme et de la FING, et avec leur déclinaison, l'expérimentation ou la concrétisation de projets issus, inspirés des pistes explorées par la FING et ses partenaires. Et il me semble aujourd'hui que c'est essentiel d'avoir ce regard territorial à bord au sein des partenaires ou du CA de la FING pour ne pas penser en numérique hors sol. Et les territoires sont aussi, il me semble, l'échelle par laquelle passeront sans doute bon nombre de transformations pour demain. Alors pour moi, contribuer à ce projet de la FING, c'est bien sûr nourrir les projets, les projets thématiques, mais aussi également contribuer à l'organisation elle-même, aussi bien sur des sujets liés à l'organisation interne, par exemple sur le sujet des ressources humaines qui a été, on le sait, ces dernières années un vrai sujet, sur des sujets de communication, de valorisation du contenu, ou en termes de relations aux adhérents. Donc, j'espère pouvoir porter au sein de ce collège des adhérents individuels des pistes fertiles sur ces différents volets.